Mardi 10 septembre 2024, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur plateforme Panoa. Nami quoi, c'est toujours Tifreno Zamano. Merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect nous toutes gagnons pour l'autre. Toute équipe là à la ronde, badé. Nous comptons rencontrer. Nous pourrons faire retransmission journal méga matin, méga. C'est plus gros réseau radio haïtien qui sur la terre bénie avec staff nouvelle là. Information yo sous pays d'Haïti. Wapiti, Radio Mega, pour Radio 1, l'IF est 5. Depuis Studio Pétionville. Invitez-vous à écouter Méga Matin. Premier journal, la Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Nous venons avec développement information pour vous. Dans un journal là, n'a poté pour tout ça qui domine l'actualité. Nous vivons avec opération la police qui continue à poursuivre dans Sainte-Ville, Port-au-Prince depuis plusieurs jours là. Plusieurs unités dans PNH là mobilisées pour capable mener opération dans Sainte-Ville, Port-au-Prince, dans Sainte-Ville, Port-au-Prince, dans l'idée pour capable permettre à une situation mounio retourner vaquer à activité. Yon situation tension régnée depuis hier lundi matin dans Sainte-Ville Port-au-Prince. Force l'ordre a mené yon vaste opération pour contrer la réaction bandi. Plusieurs machines blindées remarquées dans divers endroits ordinairement sensibles. Mes amis auditeurs, et nous avons pour une vidéo avec le premier ministre lui-même qui était visité Sean Mass hier avant de rentrer dans le bureau quartier général FADH, côté il était profité pour le promettre. Renforcement capacité opérationnelle force studio dans l'idée pour établir sécurité dans Port-au-Prince et ville provinciale. Voilà, Jean-Ou annoncé là, Jean-Wilner Sévin, un pile monde était capable de constater. Gagné Premier ministre Gary Conny, lui-même, lui, hier, visité Champ de Mars, là, Premier ministre Gary Conny, Terrenli, lundi 9 septembre 2024, là, sous Champ de Mars, dans cette ville Port-au-Prince, dans le cadre de visite stratégique, ça. Donc, visite ça, Livini inscrit dans une volonté chef gouvernement pour capable rapprocher force l'audio et réaffirmer engagement le gagnant pour reprendre l'espace qui gagnait sous contrôle groupe criminel dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Donc les contents, les sous champ de masse là, matin la vie commençait reprendre timidement. Donc, pendant PNH là, FADH, eux-mêmes, ils ont continué à bataille pour capable récupérer zone ça, yo, nèg avec Azam acheté l'argent comptant. C'est ça, Premier ministre Gary Conny lui-même, lui déclaré sous compte X-Li, mais c'est vrai, nous devons rappeler pour Mounio, ça gagnait quelque temps là, depuis attaque nèg avec Azam qui, bon, pénitencier national, et machin yo en bas la ville la business yo crasé. Donc attaque vive ensemble t'es la cause la vie t'es campé en bas la ville là. Oui, d'ailleurs pile machin c'est sous la lune à Boisvenna yo vin van en pile mécanicien c'est sous Boisvenna ou bien la lune vin régler activité censé en centre ville Port-au-Prince côté t'es qu'on gagne en pile activité économique en pile monter descend moun yo soit yo quitté payant soit non ville de province ou bien il avancé puis pris d'ailleurs même machine transport public surtout mon machine que l'on a chargé pour aller au Ghana c'est la lui il vient charger donc premier ministre lui-même qui réitérait engagement pour force l'audio capable reprendre contrôle de la ville là il était pour nous garder comment ça à pied. Ça, bon comment ça pralier est-ce que mon aujourd'hui a yo pral gagner garantie pour yo à reprendre activité personnelle yo commercial yo en bas la ville là par contre mais premier ministre là yo même yo ba garantie force l'audio l'armée police nationale là yo pral goumen au moins pour la vie même gens ça téyé longtemps les capables reprendre en bas la ville.
N'a pas tonne, mais depuis que vous avez des auditeurs, nous pas hésiter d'où ça. La police saisit une machine dans la zone Kafouma, sa gang 400 ma, aux autres utilisé dans le cadre de l'intervention Udmon l'Ouest de Fer, dans la zone Kafouma, ça y est, dimanche 8 septembre, dans la commune Kouadebouke, la police saisit une machine Nissan Patrol qui était dans la main, bandiment 400 ma, aux autres. La police a réalisé intervention ça suite à demande renfort, patrouille policière qui n'a point pont tabac 27 là, amis auditeurs, c'est ça, nous capables sous un compte officiel Facebook institution qui annonçait yon saisi yon machine pour un groupe 400 maos. N'a pas continué par les opérations dans le journal Mega Matin et SPNH 17, yon même qui saluait opération qu'a fait dans quelques bases depuis plusieurs semaines pour contrer carré gang yon porte-parole SPNH 17 la Gary Jean-Baptiste. Il était toujours quoi la police là capable, mais manquait moyen. Cependant, le syndicaliste l'a réclamé matériel, takou, hélicoptère, bombe blindée. Sinon, la police là, pape ka gagné bataille là contre groupe armé dans le pays. Parole ça, c'est parole Gary Jean-Baptiste. SPNH est toujours dit, lui, la police là capable, c'est toujours une question de plan, c'est toujours une question de volonté, et on est toujours une question de moyens. Nous toujours continuer à demander moyens parce que moyens sont beaucoup là. Et niveau insécurité, niveau insécurité, nous avons la gang, nous avons la zone côté établie, nous dit que le signal est beaucoup fin ok, parce que nous-mêmes nous disons la SPNH, je dis à nous devons gagner une dynamique pour nous prendre contrôle de la frontière là, pour les armes à munitions ne pas continuer d'entrer, pour que la mer prenne contrôle, pour que pas aucun trafic illégal qui a fait sur la mer, c'est l'État qui contrôle la mer, pour que l'espace aérien. Hein, pour qui ça la police a jusqu'à présent dans la dynamique ça et pour résoudre la sécurité, pour qui ça va gagner un hélicoptère, pour qui ça va gagner des drones sophistiqués pour faciliter l'opération. Et jusque là, nous-mêmes, nous avons posé des questions et nous avons demandé pour que les moyens soient disponibles, parce que sans eux-mêmes, ils n'ont pas privé vraiment à l'objectif qui visait. Parce que nous connaissons nous connaissons qui ça situation gagne. Et en plus de ça, l'opération est en dynamique pour mettre. Pour diminuer le risque policier. Si vous avez une opération faire, chaque opération faire, vous avez des blessés ou des policiers qui mourent, vous avez un moment où vous n'avez pas de policiers, vous n'avez pas de assez bras pour y faire opération. Il est important pour que il y ait un moyen qui est disponible, plus moyen qui est disponible pour réduire le risque, pour permettre aux policiers capables d'intervenir, pour de côté, l'air faire intervention, ils ont même yo moins risqué. C'est ça, nous, même l'expérience, mais nous disons déjà, signal là, li voyez, n'a pas demandé, et comme un rameau, plus cohésion, n'a pas demandé pour que li rejoigne et descende lui-même, joigne, permettre créer cohésion, parce que il y a un pile unité dans la police qui a des problèmes, il y a une division en pile dans plusieurs unités qui empêchent les plus efficaces, n'a pas demandé li voyez, sous bois là, il y a une division, je dis à lui, il vient dans des camps par rapport aux décisions d'être en basse plan, il te fait gros scandale. Je demande pour que ils permettent que l'unité, c'est l'unité tout bon, cohésion faite dans la police. Parce que même si tu as tout moyen, depuis pas de cohésion, et pas de résultat, nous attendons. Parce que le pays attend sécurité, le pays attend pour que tout le monde soit capable d'aller de tous côtés là où voulez. C'est ça, nous attendons. Mais pour nous arriver là, c'est nos têtes ensemble dans la police. Même je nous mets dans SPNH, nous disons, nous là, nos dynamiques de côté collé. Nous déjà rencontré toute chef dans la police, ça c'est seulement le numéro 1 qui c'est déjà la police à nous rencontrer, parce que il y a des dossiers, c'est lui-même qui nous confie. Même je me rencontré avec le secrétaire général, il y a des dossiers pour lui. Même je me rencontré avec le directeur personnel, il y a des dossiers nous déjà acheminés dans le bureau. Nous continuons le travail, nous prenons une dynamique côté pour nous gagner une autre police, mais notre police ça pour nous gagner, pour la police à lui-même, une certaine autonomie. Pour la police, elle n'est pas dans une étape politique. Pour la police, elle, vraiment, lui-même, c'est plus technique qu'à fait. C'est là où nous-mêmes dans l'SPNH. Voilà, amis auditeurs, c'est intervention Gary Jean-Baptiste. N'a toujours été avec information sous question insécurité dans un journal là. Guillaume, un étudiant qui pral découvrir un cadavre
cadavre yon étudiant étudiant faculté technologie à FDSE mais moun t'a pas découvert cadavre dans cette ville Port-au-Prince. Cadavre Jean Draman Simon étudiant dans faculté technologie à FDSE découvert hier lundi 9 septembre a été trouvé dans avenue Christophe en face Conseil national télécommunication. Collègue avec bonne famille Jean Draman Simon découvert cadavre là pendant journée un lundi en selon information yo proche yo attristé à cause des passés là. C'est le une sœur défaillant qui disons étudiant tout c'est étudiant ça c'était un cadre dans un ministère condition femme ak doa femme Jean Draman Simon te quitté Cali bien bonheur dimanche 8 septembre depuis l'essa personne monde pas de nouvelles li te finalement découvert un corps li environ 24 heures après en face qu'on a tel là li ta recevoir plusieurs balles en tête yon enquête capable révéler plus tard si Zaxa c'est Eve Bandi Axab ou bien Force l'audio. N'a pas quitté dossier ça en aller dans Kayak Nouvelle Yo. Il y a un marché public qui trouvait la zone Rouo Damier. Tout le monde connaît sous nom marché Chili et commencé à fonctionner lundi 9 septembre 2024 là sous demande pression groupe armé qui contrôlait commune Cabaret. Marché ça a été bloqué dans mois avril 2023 après nèg avec Zam té massacré plus pas son centaine de monde dans zone sous ce matelas. En suivant sécu avec Pascal Fleurissier, le correspondant permanent à Radio Méga dans Kayak. Nous allons venir rapidement avec Pascal, lui-même qui suit dossier ça et la présenter nous là en circuit. Décidément, Negaxamio a montré puissance yo nan niveau commune Cabaret. C'est yo même qui remplacé l'État, yo multiplié exaction yo en de commune nan et yo même passé l'autre Jean yo vle. Jean sa tap annoncé pendant week-end nan, marché chilien recommencé fonctionner journée lundi 9 septembre 2024 là. C'est pression gang armé yo bay qui fait population retourner en l'air ak marché si là. Pour Kouliéa, Negaxam Silayo qui occupait route nationale numéro 1, gué trois marchés sous l'obédience yo. Ces marchés titanien, marché Chili, ak marché qui trouvait la Sainte-Ville Cabaret. Ça montré à clair comment Negaxam yo puissant en dan commune Cabaret. Information kap sikile en dan commune nan, fait quoi Negaxam yo commencer faire recette en dan marché chilien. Pour eux-mêmes, c'est une grosse victoire liée puisque marché a retourné en l'air. N'a fait songer depuis avril 2023, marché ça a été déplacé vers la Sainte-Ville Cabaret à cause bandits et massacré plusieurs monde dans localité sous ce matelas. Décision te prend par autorité dans niveau commune pour te mettre marché à la Sainte-Ville là. Mais journée lundi 9 septembre 2024 là bandi au bail pression et bien au fait population retourner Chili ak marché banan nan depuis arrondissement Akaye Pascal Fleuristil pour Radio Méga. Merci un pile Pascal Fleurissil pour circuit ici la solidarité pour démocratie et développement quoi premier ministre là mal démarré avec problème sécurité c'est ça que la cause solution yo pour qu'ka venir mission ça c'est déjà un chèque d'après Walson ça non qui quoi la police est capable de résoudre problème là déjà politique là faire connaître à travers un plan qui n'a intérêt international d'un côté Walson Sano tout ça qui mal commencé. Il y a un peu de chance pour le mal fini. C'est toutefois que ils n'ont pas intelligent pour eux, ils vont côté pour le camper, pour le remettre pendule à l'heure. Et Premier ministre Gary Conille approche la question avec un peu d'émotion. Et j'aime te dire là, faiblesse, parce que pas qu'on est réalité et sociopolitique pays. Son équipe de pas qu'on a rien dans sa capacité là-haut, contradiction, question insécurité, il n'est pas analysé. Donc, ils ont approché la question très, très mal. Et au Pralouel, tellement approché le mal, le premier ministre, vu nous, qui est rencontré, c'est le secteur privé, et Conatel, le Digicel, c'est ça, yo. Question insécurité, elle n'est pas sujet de débat. Même changement, ils ont fait au niveau de la police, là, ouais, jusqu'à ce qu'ils ont fait. Et je voulais vous dire, situation que l'international a mis nous là-dedans, là, qui par contre, qui ça le fait, comment ils doivent manier la crise haïtienne, là. Nous proposons une mission avec Kenya qui passait à soigner 400 hommes, 2000 hommes. C'est deux problèmes que le pays, la police nationale et l'armée d'Haïti peuvent résoudre. Donc, nous sommes capables de dire que l'objectif
là, c'est pas résoudre question insécurité. Romanes, nous pas de dupes, nous pas de stupides, nous c'est des citoyens haïtiens, nous c'est des mecs qui vivent là. Nous connaît comment gang nous former. Moi-même, moi toujours dire, et ma redire encore, moi c'est un peu femme derrière. C'est l'international qui crée KOA. Le représentant des Nations Unies a été campé sous tribune des Nations Unies. Pour dire que c'était un bon bagage, Frédéric Gagnon ensemble. Ça, c'est synonyme de tout ça. C'est écraser la police, écraser l'armée. À ce niveau-là, nous ne pouvons pas attendre à rien d'autre que ce rôle-là dans l'armée. Et donc, c'était le plan de l'international. Plan qui s'est derrière. On nous analyse encore comme des Haïtiens, comme des gens qui sont à l'école, et qui sont capables d'étudier nos crises et garder, c'est-à-dire les dérivés de la crise, nous sommes capables de comprendre pour qui raison qui fait que nous faisons ça. Donc, question insécurité, l'IPAP résoudre si nous partons ensemble pour nous poser et adopter la stratégie appropriée. Pas une minute pour me dire une autre bagaille qui est importante. Pays, en quelque sorte, pris en otage par un groupe de gang qui a des dimensions différentes. Daxter pour les la Mont-Saint-Jouan, ou pas qu'à approcher même gens avec barbecue. C'est une approche différente. Iso, ou pas qu'à approcher Iso, même gens avec et barbecue, même gens avec la Mont-Saint-Jouan. Parce que chaque gang, il y a une histoire, il y a un côté aussi. Parce que, il y a une question de parler de la Mala, des influences au service de gros cartels qui impliquaient là-dedans, des banditismes tout qui là-dedans, et puis des nègres tout qui sont dans une situation de vulnérabilité et qui se désexclus de la société, qui vont le temps que eux-mêmes réagissent par rapport à la situation que ont là-dedans, soit pour leur bailler tête, moyen pour leur vivre, soit pour leur défendre, ou bien soit leur convertir, leur faire disponible au service de ou plus gros gang ou bien au service de un secteur ou bien fraction en de la société. Walson, ça nous fait déclaration, ça, on a mis quoi, Romanes, samedi. Nous, on prallait rapidement dans grand danse, pays, avec, nouvelle yo. Il y a une autorité, yo, dans grand danse, pays, yo, annoncé, yo, continué à renforcer bataille contre insécurité à Capata et Banda. Pendant fait, patronale, Notre-Dame, Nativité, Dame Marie, 8 septembre 2024, là. Autorité policière et judiciaire, yo, na grand danse, yo palé sous effort sécuritaire, na région, directeur départemental police de la France, Saint-Amand, li souligné progrès, na bataille contre criminalité, malgré défis effectifs, avec ressources yo qui limitaient. Donc, en dépit défis, ça yo, la police là, yo même yo continué à neutraliser divers groupes armés dans zone clé, ça yo, t'as coup, dans Bourdon, Ansdeno, Desormeaux, Chambellan, Saint-Amand, donc qui ont même pour autorité, yola un gradance à pays, c'est on victoire grâce avec collaboration entre citoyens yo et la police locale yo même qui redoublé effort yo dans bataille ça contre groupe armé yo dans gradance à pays. Donc commissaire gouvernement Jean-Marie Alexandre dit même également réitérer engagement li pour capable éliminer bandits qui continuaient à s'y mettre terreur, mais pour permettre la paix rétablie dans grandeur un pays. Donc, ils promettent avec action ferme ça yo contre criminels yo et yo exhorté même gang yo déposer zamyo pour éviter conséquences à répression yo. Nous à travail sans relâche pour mettre hors d'état des nuits. Donc si la yo cap théoriser citoyen yo, c'est sa responsable a déclaré par journal Van BFFO. Autorité yo annoncé mesures supplémentaires pour capable renforcer sécurité notamment donc identification opération policière yo avec coopération étroite avec communauté locale là dans l'idée pour capable garantir un environnement sûr pour résidents dans grande nation. N'a toujours été avec la police amis auditeurs puisque hier matin nous t'ai ba information ça côté MSF Médecins Sans Frontières t'ai déploré parce que t'ai gagné une ambulance institution t'ai porté un monde malade à cause de la police
te campé en patrouille, yo te fait trop de campé et ça t'a pral patient est mouri avec le mot patient. Ben autorité policière yo réagit sous ça, amis auditeurs, on nous permet de gagner contenu à notre public. Ça le mot patient médecin sans frontières PNH a dit pour acte la police nationale d'Haïti dit pour acte information qui relayé par certains médias côté le cité yon responsable organisme humanitaire médecin sans frontières qui fait qu'on a gagné un patient qui rend dernier souffle après une patrouille policière qui était interceptée, une ambulance MSF pour être capable de faire un contrôle. Situation ça t'a provoqué l'homme au patient ça à cause temps policier était prêt pendant l'intervention d'après médias. La police nationale d'Haïti une fois informé mettait sous pied une équipe qui est capable de mener une enquête dans l'idée pour faire lumière sur dossier ça. De l'autre côté, institution trouvait l'important pour souligner avec tout un public organisme humanitaire qui travaille dans le domaine sanitaire, en particulier dans le cadre d'un phénomène de banditisme, de criminel qui a tendance quelquefois à utiliser ambulance dans le mode opératoire, non seulement pour transporter bandits blessés à balles, mais tout dans affrontement avec force de deux, mais tout pour commettre des actes compromettants. La police a saisi l'occasion pour saluer le travail inestimable institution a fait, notamment institution humanitaire en Haïti, particulièrement médecins sans frontières, surtout dans le contexte actuel côté pays les confrontés à une crise sanitaire sans précédent. Donc PNH a renouvelé l'engagement pour continuer le travail pour une police qui est plus professionnelle et efficace dans l'intérêt de toute population. Il y a un police communautaire annoncé pour 21 septembre Capéville dans l'occasion journée mondiale la paix en gros marathon dans Pétionville. L'a commencé devant Saint-Pierre pour Albout dans Thomas. C'est l'occasion pour continuer sa promotion pour mariage police population. D'après le coordonnateur police communautaire haïtienne Jean Salvador qui a annoncé forme activité sérieux pour continuer dans notre zone dans capitale haïtienne. Responsable police communautaire Croès ont nécessité pour deux entités sérieux toujours travailler ensemble dans l'intérêt pays n'a pas coûté Étienne Jean Salvador. Que pour nous capables d'annoncer une grosse activité que la police nationale, à travers la police communautaire et les partenaires que nous avons ensemble avec nous, et l'église Saint-Vincent de Paul prend pour que nous fêtions 60 ans anniversaire. Donc nous profitons de l'activité de date ça pour que nous capables de permettre que l'activité communauté avec la police dans l'Ukraine. Donc c'est dans ce sens ça, nous pensons que de bon temps pour que nous invitions la presse dans le prochain événement ça qui a fait le 21 septembre 2024 à 4h de l'après-midi et qui a commencé devant le commissariat de Pétionville et qui a fini Thomas 25. Donc son pouce qui je dis en là, il y a un pile partenaire qui a mis les mains pour voir comment il est capable de réussir dans une situation qui est si difficile que nous connaissons. Donc, je ne vais pas parler net parce que nous avons différents et nous avons connaissance seulement partenaires à 10 ou 3 mots pour que nous rassurions que l'activité sont réussie. Donc, nous pensons que c'est pas dernière la bonne année. Nous avons d'autres activités comme ça sur d'autres régions et d'autres zones métropolitaines et d'autres villes de province. Donc, on a toujours qu'aimé la presse et la population informée de l'activité SAO qui est extrêmement intéressant, qui a tout sens dans la cohésion et la paix que nous avons cherché dans le pays. Donc, ce qui a trait à le trafic dans la zone, inévitablement, il y a trafic. Et l'abjuré géré quand même par la police. Inévitablement, on n'a pas promettre pas de trafic. Pas de trafic. Mais c'est pour une bonne cause, voir ça. Donc, on a géré, si on a une chance pour que la police intervienne, alors pour ambulance, on a intervenu à temps, pour faire la réponse à elle, et permettre que le blocus n'est pas trop tight, qui va permettre que la circulation, quand même, fait motocyclette à capable de monter, les machines capables de monter, permettre que sur montagne, nous avons l'autre trajectoire qui va faciliter monter et descendre beaucoup plus pendant une heure ou deux heures du temps que nous avons occupé. On a fait accent sur montagne, on a permis que les motocyclettes soient capables de faire monter et descendre, permettre quelques machines, mais camions, parce qu'elles descendent sur la course. Vous comprenez? Parce qu'une fois que la course est dérapée, vous pouvez comprendre que le trafic va commencer, les machines,
nature, même pas qu'à permettre de protéger les gens qui participent dans la course, nous pas capable de permettre que fuir la circulation en fait. N'a pas continué avec information activité ça c'est une façon pour célébrer la paix dans zone ça qui était passé en pile temps bas contrôle gang Timakak pour 60 l'année paroisse Saint-Vincent de Paul la sécurité curé paroisse qui était contacté nude pour encourager Marathon ça d'après Jinan Félix qui était représenté nude dans activité ça pour premier prix après